Bien, salut à toutes et à toutes les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Exa. On se retrouve sur PS 2016. Voilà, j'avais envie de vous faire des vidéos sur ce jeu depuis un petit moment. Donc du coup voilà, on se retrouve à bien évidemment, vous voyez Griezmann, bon, qui est plus ou moins bien fait hein, dans ce jeu tout simplement. Donc du coup voilà, ouais, bon, il date un petit peu le jeu, il y a bientôt le 2017 qui sort, je vous ferai peut-être des vidéos dessus, on verra bien, mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vers une légende. Voilà, donc je suis allé à la demi-saison, on va dire à la semi-saison, donc avec Antoine Griezmann. Donc du coup, comme vous voyez, bon, meilleur buteur hein, bien évidemment, donc c'est plutôt pas mal. On est premier également de la ligue. Donc c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, pourquoi j'avais envie de vous faire des vidéos? Parce que bah, j'ai déjà essayé de vous record pour ceux qui. Enfin pour ceux qui ne savent pas, pour vous, hein, parce qu'au final la vidéo n'apparaîtra jamais. Ces trois matchs, puis j'avais déjà un petit peu testé avant. Parce qu'en fait le son n'était pas bon et puis la qualité visuelle était pas ouf non plus. Donc du coup voilà, bon, donc du coup on a fait une petite semi-saison et on a réussi à se qualifier et pour la Champions League en étant premier de notre groupe, donc c'est plutôt worth, devant le Bayern hein, donc bon voilà, et également pour la Coupe d'Espagne. Et donc du coup c'est ce qu'on va continuer aujourd'hui car on est contre l'Athletic Club, donc du coup qui sont 6e de la ligue. Donc du coup bah, je me dis que ça pourrait être de beaux matchs tout simplement. Bon, on est premier de la ligue avec quand même 6 points devant le Barça et 8 points devant le Real, donc normalement ça devrait aller. Bon, on a encore un match contre le Real et un match contre le Barça qui est pas trop loin. D'ailleurs je vous ferai peut-être, d'ailleurs pourquoi pas, là j'ai la Coupe d'Espagne puis après direct le Real, donc mes joueurs vont être un petit peu fatigués, puis après bien évidemment le premier tour. D'élimination directe en match aller, donc le match aller donc contre le Zénith de Saint-Pétersbourg bien évidemment, puis après on a le Barça pas trop loin, voilà, ici, puis après on enchaîne contre le match retour. Donc Nicolas, ça va être assez assez ouf. Donc du coup ouais, voilà, bon, après la demi finale etc. Donc n'hésitez pas à me dire voilà si ça vous plaît. Bon, on va jouer un petit peu hein, bien évidemment. Donc je suis en très bien, donc non, je vais pas sauvegarder. Ah oui, également, ouais, je vous ferai peut-être des vidéos avec mon joueur normal, donc qui s'appelle Alexis, B Alexis, parce que bah, AB, voilà. Non, pas du tout, mais donc du coup, voilà. Mais là, j'ai fait qu'une demi-saison avec Griezmann et j'avais envie de vous faire voir un petit peu, voilà. Donc on est en normal, 5 minutes, voilà, on n'est pas. J'ai augmenté le niveau, des fois je le baisse, en fait, ça dépend. Tout simplement, si je vois qu'on galère un petit peu là et que j'ai envie quand même, bon, on va pas se le cacher, d'aller en demi-finale de la Coupe d'Espagne. Bon, il se peut qu'on baisse un petit peu le niveau après si on galère un petit peu. Bref, ou même pour rigoler, hein, totalement. Donc du coup, voilà, donc on va faire ces deux petits matchs aujourd'hui. J'ai laissé également les commentaires, enfin les commentateurs tout simplement. Donc du coup, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Ça se trouve, vous allez trouver ça super chiant. Donc on va passer le petit engagement et tout directement. Hop, hop, donc ouais, donc on joue ailier droit. Ah, oh, dommage. Dommage, dommage, attendez, je vais vous faire voir vite fait le plan de jeu. Donc on joue ailier droit. Bon, c'est pas là où on est meilleur parce que normalement on a 88, là on a 80, mais bon, c'est pas très grave, on a Torres devant nous. Donc, enfin devant nous à gauche, donc du coup c'est avec ça que notre composition marche plutôt bien. Là j'ai fait un appel de balle vraiment merdique, genre insane. Bon, j'ai pas encore joué aujourd'hui, donc du coup on va dire que ça va, c'est la reprise. Hop. Bon, normalement je suis pas censé courir un petit peu partout, mais là ça me fait un petit peu peur. Puis bon, on peut encore se le permettre, hein. Je joue pas un niveau énorme derrière. Ah, Fernando Torres peut-être. Peut-être derrière. Oh, dommage. Ça aurait pu donner une première action dangereuse aux alentours de 12 minutes. Du coup, ça aurait plutôt été cool. Plutôt été cool. Voilà. Ah, dommage là, non. Ok, bon, pour ceux qui connaissent vraiment pas genre PES, quelles sont les, on va dire, infos utiles à savoir. C'est le but. Oh, Griezmann. Ah, un jeu. Unlucky. Bon, je pensais pas en même temps qu'il allait récupérer. Donc ouais, première chose bah, très importante, comme vous voyez en bas. Oh putain, je suis déjà à la moitié. Vous avez une petite barre verte en bas à gauche. Donc ça représente simplement l'endurance de mon perso. Et qu'elle soit comme ça à 20 minutes, genre ça veut dire que je cours un peu comme un connard partout. Putain, mais je suis tellement pris au marquage, mon pote. Genre, c'est insane. C'est insane. Bon, en même temps, c'est une bonne équipe, hein, bien évidemment. Bon, pour l'instant, j'ai qu'une défaite en ligue. Donc c'est contre le Real, j'avais perdu 2-1. Ils ont joué l'égalité de base. Puis enfin ils ont marqué 1-0 genre assez rapidement. Du coup, ben, tenté l'égalisation, puis on a tenté
de garder l'égalisation, mais qu'est-ce que ça? Et puis au final, bon, on n'a pas réussi, voilà, simplement. Ok, bon, on est à 30 minutes de jeu, ça va. Ok. Hop, pour moi, pour devant, hop. Oh, mais court. Bon, on va essayer de se concentrer un petit peu plus, surtout en seconde mi-temps. Là, on a eu le temps de reprendre un petit peu les choses en main. Tout ça de ça. Bon, après, voilà, je me considère pas fort au jeu, genre clairement pas. Ouh, ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas devant. Oh, dommage. Oh, dommage. Ah, c'est trop triste. C'est trop triste, j'aurais dû la mettre un peu plus haute. Ouais, dommage, ouais, il le touche à peine, quoi. Genre, en vrai, je pense qu'elle pouvait potentiellement aller dedans. Ah, ok, ça joue court. Ah, putain. J'aurais aimé vous faire voir la petite combo. La petite combo, bon, en gros. En gros, je force un petit peu la passe. Pour après la remettre en avant, quoi. Bon, rien de sorcier. Mais hein. Bordel, c'est tellement pas fluide, quoi. Genre, comme gameplay, est-ce qu'on fait. Oh, dommage. On tente attaque? Pas du tout. On va se faire arracher. Oh, j'ai déjà chopé plein de cartons jaunes, mais jamais de cartons rouges. Bon, ok, première mi-temps, pas ouf. On a vu les 36% de possession, genre c'est de la merde. On va essayer de se calmer un petit peu, on a régénéré un petit peu notre endurance, parce que c'est vrai que là, on en avait pas mal claqué. Oh putain, merde, on a genre tellement plus. Ok. Ah, non. C'est bon. Il y a des gages en touche. Ok, bon. J'espère qu'on va pas s'arrêter sur un 0-0, parce que bon. Allez. Oh, on a eu chaud un peu. Faudrait que je reste en fait dans ce positionnement parce qu'à chaque fois on a personne à la relance. Oh, mais mon pote. Genre, ils te font des passes, c'est tellement de la merde des fois. Oh, heureusement que nous avons une défense solide. Oh, quoi? Il récupère le ballon, frère. Ah ouais, donc là je suis en vergogne de la balle. Genre, clairement, moi j'avais pas demandé un appel. Comme cela. Bon, je tentais un attaque, ça sert à rien, mais bon. Allez, cours. Ok. Donc ouais, aussi je joue avec cette caméra. Alors je sais qu'il y en a, plein d'autres, mais j'avais l'habitude en fait sur, je sais même plus quel PES, donc de jouer avec cette caméra. Et oula, je crois qu'elle sortait en touche. Du coup, my bad. Ah, mais ils jouent tellement genre pussy un peu. Genre c'est abusé. Ils ont eu genre zéro occasion. Bon, on n'a pas eu beaucoup non plus, mais bon. Ah ouais, c'est des matchs de 5 minutes également que je mets. Qu'est-ce qu'il a fait là? Mec, j'ai même pas demandé d'appel de balle. Enfin, j'ai même pas fait un appel de balle plutôt. C'est un peu gêné. Devant. Je sais pas si je suis enlevé. Bon, du coup, moi je saute par la fenêtre. Non, mais je suis désolé, franchement, je suis désolé pour ce gameplay que je. Vous savez quoi, le match retour, on va se donner mieux à fond. Non, mais je sais pas, aujourd'hui, genre. Oh! Attends, peut-être que j'ai un lit. T'as mon pote, genre les mecs, ils sont pas marrants, quoi. Ils veulent pas me laisser marquer. Ouais, ça serait mon 40e but, hein. Bon, ça serait pas mal. Ah non, ça serait pas mon 40e but. Parce que ça, c'est en Ligue 1. Et nous ne sommes pas en Ligue 1. Voilà, les mecs. Bon, le beau jeu, le beau geste. Attends, on va faire une belle célébration de but. Ah, dommage, je suis pas allé assez loin. Ah, la fameuse grisou. Et 1-0. Petit but, sûrement il n'y en aura pas d'autres. Si on arrive à égaliser, ça sera déjà pas mal. On va demander un jeu plutôt défensif. Comment on fait? Je sais plus. Comme ça, défensif, voilà. Comme ça, au moins, on essaye de jouer en 4-4-2, tu comprends, hein, un petit peu plus défensif. Mais bordel, mais mec, genre, on s'est tellement gêné 46 fois. Allez, on essaye du tout donner, on reste un peu en défense. Faut pas qu'on s'en prenne. Qui a cru là? Genre, mon gars, ils ont eu une occasion, c'est un scandale. Et court. Oh, dommage. Il est un peu, je suis trop fatigué là, genre j'ai 0-0, mais genre 0 d'endurance. Que c'est un peu dur pour faire des montées de terrain assez ouf. Et Torres! Oh, dommage. C'est pas Torres en plus. C'était qui le 21? Bon, on n'avait pas la possession. Le 21, c'est Torres? Non, pas du tout. Pas du tout, ça doit être Hernandez, Munez, voilà. Ah non, même pas. Putain, mon gars, genre le 21, genre on sait même pas qui c'est.
Ça se trouve, c'était même pas le 21. On s'en branle. 1-0, c'était plutôt pas ouf, tu vois, pas ouf en vrai. Mais ça va, genre, ça va, c'est correct. Ok, Barça a quand même gagné 2-0. 3 pour Real, ok. Ok, mais c'est Séville. Bon, pour l'instant, genre en vrai, tous ceux qui ont gagné, c'est les 4 premiers, je crois. Parce que Séville doit être. Je sais plus. Je sais pas s'ils sont 4e de la Ligue, si, il me semble. Il me semble que si, ou alors c'est. Ou alors c'est voilà. Ah non, Valencia, d'accord. Ouais, donc bon, ils sont juste après. En vrai, ça va. Et puis voilà, donc on va partir pour le match retour. C'est parti. Alors, je suis désolé si vous entendez un peu des bruits par la fenêtre, parce que bah, en fait, il fait chaud. Voilà, on est en été, donc il fait chaud, hein, bon voilà. Du coup, il se peut qu'il fasse un petit peu chaud. Bon, on laisse pas les célébrations hein, du début. Bienvenue pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Bon, nous sommes en extérieur cette fois-ci. Nous avons les maillots. Maillot bleu, il est plutôt chaud mon pote, mais. Et voilà. T'as essayé la célébration, je crois, avec la photo. Voilà, la belle photo. Bon, aussi, il y a des petits bugs des fois pendant les célébrations, genre pour le fond. Et voilà, nous sommes là avec Saúl Fernández, je sais plus comment il s'appelle lui là-haut, et un autre mec, Gabi, bien évidemment. Hein. Ok. Ça va, c'était pas mal. Je pars sur le côté droit, vous me voyez là avec mes petites bottes jaunes. Enfin, mes bottes jaunes, non, mes chaussures jaunes. Et là, une belle passe, voilà, une belle passe, disons-le. Bon, je sais pas si en appui sur mon pied droit, mon pied gauche. Putain, mon gars, ils m'ont fait un tacle à 3. Regardez. Voilà, le beau dépassement de Saúl. Pour Fernandez. Non, Vieto. D'accord. Regardez. En croix, ils me l'ont fait, regarde. En fait, ils ont tous taclé. Oh, ils ont tous taclé, genre là je me prenais ça, mais je pense que mon perso il mourrait. Bon, premier but, 3e minute de jeu les mecs, on se met bien. Et regardez, et c'est pas fini. Oh merde, bon, j'ai tenté un petit passement de jambe en mode Wesh la street. Oh, mais attendez, mais c'est que ça. Ça pourrait être pas trop dégueu. Oh, bah alors. Ouais, bon, sans commentaire, mais là, genre, what? Je suis déjà mis de barre, pratiquement. Hop là. Oh, non, 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 vas-y. Ah, oh, dommage. Dommage, c'est dommage. Bon, pour l'instant, on a pleine possession. Je crois, peut-être pas la possession, mais on a énormément d'occasions. Ouh, attention. Frère, voilà, genre, clairement, là, fait un truc. Ok, bon, nous, on peut clairement pas venir défendre là. Okay, on peut rester un peu en mode relayeur de terrain. Et voilà la balle qui nous est donnée. Et voilà, on fait une petite feinte. On peut faire de belles feintes de frappe également, genre oh, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, mon gars, j'ai tellement grid, mec, ils étaient 72. Oh, dommage. Et putain! Oh bordel de merde, je déteste cette équipe de l'Athletic Club. Genre, ils sont tous en défense. C'est full insane. Non, en vrai, ils ont eu une belle occasion tout à l'heure. Je suis un peu mauvaise langue, MDR. Mauvaise langue. Qui a pas entendu cette expression? La bonne expression 1980. Et la petite passe, lobé, voilà. Et la petite passe en 1-2. En 1-2. En vrai, là, je veux pas balance, mais il aurait pu avoir au moins 6-0. Genre. Genre clairement. Ah, dommage. Non, en vrai, on grid. Oh là. Les frères. Ils sont tellement chiants. Vas-y, tue-le. Dommage. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Je sais pas qui a fait la faute. Oh, c'est Gabi le capitaine. C'est pas beau. Hein. C'est pas beau hein, de faire une faute en étant capitaine. Vraiment. On n'apprécie pas. On n'apprécie pas. Ok, bon. On a marqué à la 3e minute. J'ai dit que j'étais chaud. Et au final, bah, on n'a pas remarqué. Mon gars. Genre lui. Je savais pas tuer les couilles, mon gars. Bon, on a 2 buts d'avance en vrai maintenant. Normalement, on est plus ou moins qualifié. Oh, non. Nick Taras. Et. Oh, genre, ça passe. Oh, le vol. Quoi? Oh, putain de merde. Oh, c'est l'un des joueurs dans notre équipe, je vous jure, qui a le meilleur taux de finition. Ah, ça aurait été bien là qu'on vienne. Enfin, qu'on marque plutôt. Bon, Griezmann est très fatigué.
Vas-y, laisse-nous l'action. Ah, l'arbitre. Le ballon était tiré, monsieur l'arbitre. Voyons. Bon, en vrai, ça va. Là, on a une meilleure possession de balle. 54, j'ai bien vu. 54, donc du coup, ça va. Ok, bon, allez, on continue. On a récupéré un petit peu d'endurance. Oh, un petit peu, quoi. Genre, vraiment, là, on a tellement couru partout. Bon, en vrai, on n'est plus du tout ailier droit, là, maintenant. On est... je sais pas ce qu'on est. Genre, on est milieu offensif, le bordel. Pff, bonne sortie, regardez. Hein. Vas-y, on va partir sur, sur la droite. Non. Et ben là-bas. Ok, bon, la prochaine. D'accord. Ben, c'est ça, de mettre des persos avec 60 de qualité. Hein. Par contre, là, ça va être très triste. Chant. Oui. Ah oui, oui, ah oui, oui. Bon, en vrai, ils auraient marqué un but, ça aurait pas été très grave. Ok, ok. Genre, on est qu'à 60 minutes. Oh là, il y a eu des petits ralentissements, là. C'est pas beau, jeu. Ah, Vieto. Oh, mon gars. Putain. Mais qu'est-ce que cette connerie? Ah non, il veut pas la jouer court. Qu'est-ce que c'est? D'habitude, il se ravance, en fait. Oh, dommage, ça passe pas. Je pense qu'il aurait pu y avoir un but. Oh non! Mec! Genre, comment il a loupé ça? Oh non! Mec, je les avais tellement full brun. J'avais réalisé le demi-tour. Le petit demi-tour, hein, le fameux. Ok. Oh là là. Oh non, mais là, c'était beau. Hein. Franchement, rien que pour ça, ça mérite un pouce vert. Attendez, oh là. Bon, au final, on sera qualifié. 2-0 au final. Ça aura pas été ouf. Enfin, 2-0 au final en tout. Attendez, j'ai rien dit. Peut-être 3. Eh oui, 3. Quoi? Mec, c'est tellement de la merde ce qui s'est passé là. Genre, what the fuck. Oh. Et c'est dommage. Bon, en vrai, ce petit but à 3 minutes aurait été fort sympathique. Bon, en vrai, on aurait pu en marquer tellement des milliards. On est meilleur en extérieur, en tout cas. À ma team, j'ai l'impression qu'ils sont genre un peu plus motivés. Vas-y, on part sur la gauche, nous. On s'en fout, bat les couilles. Vas-y, part derrière. Oh, oh, elle a bien laissé passer, dommage. Ah, je sais pas. Non. Non. Mais lâche-moi. Oh, putain de merde. Ça meurt. Ouais. Mec, genre, est-ce que tu m'expliques la logique de ce move? Non. Oh putain de merde. Oh non, là c'est trop triste là. Attendez. Ah, il est content, le petit Oblak. Oblak, je connais pas trop. Ah là 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 là. Mais là c'est terrible. Attendez, regardez-moi ça. Mec, regarde, je perds le ballon. Il la donne à son pote. Son pote, et je lui fais une espèce de petit tag. Torres carré qui le pour. Et pff, ouais, enfin ouais, bon, écoutez, hein, c'est pas le plus beau but, hein, en vrai, on en aura fait des meilleurs, voilà, bon, écoutez, hein, non, par contre, ok, mais quelle solidité, non, dommage, pourquoi j'ai pas, j'aurais dû partir direct sur la gauche, bon, on s'en fout, il y a 2-0 et 3-0, score final, du coup, on s'en tape les couilles au sol, oh là là. Attendez, peut-être. Bon, pour l'instant, on a marqué les 3 buts. Les frères, quelqu'un vient en aide. Dommage. Bon, et ben voilà le temps de jeu. Ah, attendez, dernière occasion peut-être. Et voilà les mecs. Bon, écoutez, voilà, c'est le hat-trick. C'est le hat-trick, hein. Bon, forcément, voilà. Bon, c'était simple, en vrai, c'est... Mec, genre le bon appel de balle, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont pas tellement les couilles, mon pote, lui. Genre, c'est le bon gardien. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Et c'est mérité. Regardez ce beau but, les amis. Regardez, hop, et là. Bon, là, déjà, c'était un peu balèque. Là, regardez ce beau dépassement. Et cette petite balle, juste avec le toucher. Et voilà, le gardien qui n'était pas dans ses cages. Voilà, forcément, quand t'es pas sur tes appuis, et bah tu prends un but, voilà. Bon, là, par contre, le temps de jeu, genre, je suis un peu abusé, genre, 10 minutes. Oh,
Mais attendez. Mec, il l'aurait pas touché, genre on serait reparti pour un autre but limite. Bon bah écoutez, ce fut 3 beaux buts. Enfin, 3 beaux buts, vraiment, bon, le deuxième un petit peu moins. Mais en vrai ça va pour la reste. Seulement 8,5, vous aurez peut-être pu mettre le 9, c'est quand même un triplé que je viens d'inscrire. Bon, écoutez, voilà, c'est pas mal déjà. Ah oui, donc le Real qui s'en sont battus les couilles, qui leur ont roulé dessus. Ok, très bien. Bon, au final, on s'impose avec 4-0. Donc on a gagné 3-0 en XT, donc c'est plutôt pas mal. Normalement, on gagne plus facilement en domicile, mais bon. Bon, après, Sevilla qui était pratiquement obligé de gagner, du coup, voilà, ils se sont un petit peu wow, tranquille. Barça qui ont. Voilà, tranquille, tu vois, ils ont joué, voilà. Et Real qu'on va tout simplement envie de d'exploser leur ennemi, voilà, de les exploser. Donc, au final, bah, on voit que Sevilla qui a battu Valencia, donc au final, là, deux fois, on va pas. Enfin, non, du coup, non, bah non, pas deux fois. Pas deux fois du tout, mais bon, comme on peut le voir quand même sur la Liga BBVA, voilà, bah, au final dans la Ligue, ils sont genre mieux classés. Regardez. Sevilla, voilà, tu vois. Valencia est devant Sevilla. Bon, on voit, c'est chaud. Mais genre, c'est. Voilà, bon, voilà, tu vois. Oh putain, il y a un putain de corbeau, un corbin qui est passé devant. Bon, et ben écoutez, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était fort sympathique, je trouve, personnellement. Je vais faire le petit match, bien évidemment, contre le Real de Madrid. Puis voilà, puis je pense qu'on se retrouvera pour l'UEFA Champions League au premier tour, le nuit du match direct. Ou est-ce que je vous le fais la prochaine fois? Est-ce que je vous fais la prochaine fois? Bon, ça, après, ça vaut rien, ça non plus. Après, on pourra faire Barça et celui-là. Ça peut être pas mal, on verra comment ça se déroule, bien évidemment. Je pourrais peut-être également jouer avec mon autre perso, si ça vous intéresse. Alexis, bien évidemment. Et puis voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve bientôt. Petit pouce bleu, ça. Bye bye tout le monde.